Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous filmais l'unboxing de plusieurs choses. Un colis, deux, mais j'ai tout mis dans la même boîte, Sephora. Et ensuite, un swap que j'ai fait avec une abonnée à moi. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. J'ai juste ouvert le carton avec un couteau, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Par contre, j'ai évidemment déballé pour être sûr que rien n'était cassé de ce côté-là. Alors, chez Sephora, je suis malade, ça doit se voir à ma tronche. Là, franchement, il n'y a plus rien qui va. Les petits emballages cadeaux, je ne sais pas vous, mais moi, je les demande systématiquement. Bon, des fois, ils sont noirs et blancs, des fois, ils sont roses, ça dépend. J'ai eu deux fois, puisqu'en fait j'ai commandé en deux fois, donc j'ai eu deux fois l'échantillon, j'en ai déjà un là, j'avais reçu donc du fond de teint Happy de Benefit, donc j'en ai un autre là, donc c'est les trois fois les mêmes teintes, enfin c'est deux fois les mêmes trucs avec trois teintes différentes, 4, 5 et 6, voilà, donc, on va pas y passer deux fois dessus. Ensuite, j'ai choisi le fond de teint Touche Éclat de Yves Saint Laurent. Donc, comme ça qui se présente le chantillon. On a Sauvage de Dior pour monsieur. Flower by Kenzo. Voilà. La petite étiquette Sephora qui va bien pour refermer le petit sachet cadeau. Un échantillon Rituals, ça je le mets pour mes abonnés parce que j'ai la crème en fait, donc du coup c'est pour vous. Ensuite, j'ai pris le dernier masque, dernier mascara Sephora, le Size Up, volume extra large immédiat. Alors j'en ai entendu que du bon et une fois que je l'ai recommandé, j'ai vu des revues où il n'y avait que du mauvais en fait, donc j'ai peur. Du coup j'ai peur. Je sais pas s'il est bien, s'il n'est pas bien. On l'essaiera, je vais me maquiller pour aller à l'hôpital parce que là, cette tête-là, ils vont croire que c'est moi qui suis malade et qui doit être hospitalisée. Donc, je vais me faire un ravalement de façade avec ça et ce qui me donne une boîte. Et voilà, je vous montrerai tout ça. Donc, évidemment, ça va de soi. Je n'ai pris que la grande. Je regrette, j'aurais dû prendre la petite, mais j'avais vraiment peur qu'elle soit vite out of stock. Déjà j'ai eu du mal, j'ai mis 10 bonnes minutes à accéder à mon panier une fois que j'avais mis dedans. Donc autant vous dire qu'après j'ai pas traîné à commander en fait, et quand j'ai voulu tout de suite après en fait passer commande du size up et donc de la petite pour ma maman, ben rupture de stock. Donc j'irai la chercher en magasin le 18 à sa sortie, j'irai lui chercher de la petite qui sont des teintes beaucoup plus dans les tons neutres et c'est ce qu'elle aime, donc j'irai lui prendre un petit cadeau en plus de son c'est une heure de spa que je lui ai offert de Beautiful Box. Ok, donc la palette elle se présente comme ça, on va regarder ça c'est mieux, voilà. Donc on a alors 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards mat, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6 fards irisés. Ouais, irisés et pour certains vraiment très. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, hyper pigmentés. Vraiment, c'est vraiment des paillettes. C'est un peu crème. Un peu... Alors, en tout cas ça se travaille super bien parce que quand on l'étale, vous voyez, donc plutôt je pense à déposer en tapotant, peut-être avec le doigt plutôt hein. Voilà, je crois qu'on en a deux comme ça et le reste ça va être plutôt des irisés vraiment normaux en fait, pas des crèmes. Donc voilà pour la palette Ananas, c'est parti. Alors oulala. Ok, donc il y a un truc que j'avais deviné, c'est ce sont ces petites choses là. Parce qu'on en avait parlé, elle avait acheté ça puis elle avait mis sur son Insta et je lui avais dit que j'adorais en fait le principe, on a plein de tailles et que et je lui avais demandé d'où est-ce qu'il venait et elle m'avait dit de Action, donc je suis partie à Action et je ne les ai pas trouvées en fait, donc j'étais dégoûtée parce qu'il n'y avait pas dans mon Action, clairement il n'y avait pas. Donc voilà pour ce qui est en fait de la seule chose que j'avais réussi à deviner en fait, c'était ça parce qu'elle m'a dit voilà c'est un truc que tu veux mais que tu n'as pas trouvé et qu'on en a parlé. Donc voilà, j'avais pu deviner ça. Pour le reste, du coup, elle m'a empaqueté le tout. On va mettre le menu comme ça. Alors, le numéro 1, cela te servira à rayer tout ton make-up.
Alors, on va chercher le numéro 1 ensemble. Donc le 1, cela te servira à ranger tout ton make-up. Ça, c'est fait. Numéro 2, tu pourrais écrire une nouvelle page de ton livre. Numéro 2. Ah, c'est trop cute. Ah, il y a quoi dessus? Des petits papillons. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est des petits papillons. C'est un petit stylo comme ça. Alors, hop. Ensuite, numéro 3. Pour écrire une belle page, il faut des belles mains. Le numéro 3, il est là. Alors. Donc ça, je crois que c'est un vernis. C'est ça. Alors, c'est un vernis de la marque Flormar Nail Enamel. Je ne connais pas du tout, mais j'aime beaucoup. C'est un vieux rose. Et vous savez que je suis une fan de vernis, donc forcément, ça fait mouche. Donc, je vais faire ma manucure ce soir et je vais le mettre, ça c'est sûr. Après, 4. Pour pas que tu perdes tes clés. C'est trop cute. Regardez. C'est des... Aidez-moi, je suis fatiguée. Non, c'est pas des cerises. Aïe. Je saurais même pas vous dire. Mon cerveau, il n'arrive pas à réfléchir. Je lui demanderai. J'arrive pas à réfléchir du tout, là. C'est trop mignon. Alors, attendez. Je mets là au fur et à mesure, parce que sinon, je vais m'y perdre. Un joli visage purifié. Numéro 5. Il est là. Alors, c'est un masque pour le visage au charbon et au sel. Sel de mer, ouais c'est ça, au sel de mer. Alors facial, la marque, j'aimerais vous donner la marque. Bah je pense que c'est juste facial du coup, il n'y a pas de marque en particulier. Donc à laisser poser 15 à 20 minutes et il faut rincer, c'est avec rinçage. Donc ça tombe bien, on va être le week-end, donc le week-end c'est petit masque. On va y mettre là. Ensuite le 6, une bouche toute douce. Donc le 6 il est là. C'est un masque gold. Vous vous rappelez, je l'ai acheté à Noël et je l'avais fait avec un total... j'avais tout en fait, le masque visage et ça, et c'était trop marrant. Mais bah, enfin, ma mère était morte de rire parce que j'avais tout le visage recouvert en fait de cette couleur-là. Donc j'aime bien. J'aime bien ce genre de masque et je trouve ça marrant à faire. Alors, une bouche toute douce. 7. Un regard bien reposé. Yeah. Ah oui, ce sont des patchs en, on dirait un peu en dentelle. Je les avais vus ceux-là à Action. C'est des patchs pour mettre sous les yeux, hydratants. 8. Des oreilles au chaud. Ah oui, c'est le bonnet en fait pour lequel on a discuté la toute première fois ensemble là il n'y a pas longtemps parce que je lui demandais en fait si elle le vendait parce que je le trouvais trop mignon. Et elle m'a dit que non, pas du tout en fait, pas du tout en vente, mais que c'est là qu'elle m'a proposé de faire un swap. Et je dis bah, pourquoi pas, ouais, avec plaisir. Là, c'est le craquage. Je sais qu'on n'avait pas ce budget, mais je pense que ça va me faire plaisir avec tout mon amitié. Alors, on avait convenu un budget, effectivement. C'est joli. Ah, c'est magnifique. Attends, attendez, que j'ouvre quand même parce que...
ça vient de chez Socham. Regardez, c'est des petites billes. Il est trop cute. Il est vraiment trop mignon. J'adore. Alors, attendez. Alors moi, je suis pas douée. Vous avez pu le constater, je porte jamais de bijoux. Parce que je fais souvent des allergies, alors j'espère vraiment ne pas en faire. Faut juste que ça contienne pas de nickel en fait. Merci ma belle, c'est trop gentil. Donc ça c'est la petite carte de garantie en fait du bijou. Du cristal de chez Swarovski en fait. Merci ma toute belle, j'espère en tout cas que mon swap que je t'ai envoyé va te plaire. C'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout sur la même chose. Enfin, on est un peu sur la même chose, mais en même temps on n'est pas du tout sur la même chose. Mais j'espère qu'il va te plaire. Qu'est-ce que vous dire de plus? Merci beaucoup, merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous pensez aussi de ce principe de faire un swap? Je vais mettre une photo de tout ça. Le carton, on va le ranger. Ça peut servir à renvoyer les colis quand je fais les concours. Donc, on va ranger tout ça. Voilà. Et puis moi, je vais m'amuser en fait à faire mes rangements encore. Encore et encore et encore. Je suis toujours en train de ranger de toute manière. Donc on a l'habitude, ça je vais le garder précieusement parce que du coup c'est la garantie et je ne veux pas le perdre. Donc je vais le mettre là-dedans dans ma boîte à bijoux qui me sert de boîte à carré coton réutilisable. Et du coup ça je voulais juste rapidement... Attendez, je vais passer mes cheveux. Ah j'adore. Ça va me changer du noir parce que j'en ai un noir. Et en plus, il est vachement plus large. L'autre, je suis tout le temps en train de le redescendre parce que il fait juste pile poil la taille des grandes oreilles. Donc voilà, c'est super. Ma belle, je te fais une photo de tout à l'heure. Je le mettrai pour aller à l'hôpital. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est elle qui l'a fait avec elle-même. Hein. Je précise, hein. Elle l'a fait elle-même. Donc il y a quand même une importance dans l'histoire. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous montre rapidement. Hein. Il est pas cassé, ne t'inquiète pas, il est pas cassé. C'est juste que je suis maladroite quand je suis fatiguée. Et les petits masques qui vont servir à ce week-end. Par contre, ils seront utilisés ce week-end. Hein. Je vais les torpiller ce week-end direct. Hein. Et moi, tu en as. Mais t'en as plein. Plein, 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 plein. T'as un énorme carton et t'as plein de choses dedans, tu verras. Et j'espère que ça te fera plaisir et que tu vas pouvoir découvrir plein de choses comme ça. Et que voilà, donc je te fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous à vous aussi qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je publie de tout, des tests, des bons plans, du make-up, de tout, de temps en temps des coups de gueule. Mais c'est pas tout le temps, c'est rare quand même. Voilà, et sinon, gros bisous et à bientôt.